Bonjour à tous, avec vous Myriam depuis le stade Al Ahly Oui El Salam et bulletin d'information du club Al Ahly en français que nous présenterons chaque semaine pour tous nos publics sur le continent et dans le monde entier. Commençons par les titres. Al Ahly est le club le plus couronné du monde au XXIe siècle. Mahmoud El Khatib parle de la triple saison dans un long entretien sur la chaîne Al Ahly. Al Ahly fait face au Al-Makassar au début du parcours de défense du titre de Premier League. À Jaïe, Marwan Mohsen et Houssen El Shaad sont absents à cause des blessures. Suleiman Dieng Rayan participe aux entraînements. Mosimane, jamais un club ne m'a accueilli comme Al Ahly du Caire. Abdelhafiz contacte l'ambassadeur égyptien au Niger. Transfert du super match africain au Qatar. Al Ahly se prépare à affronter Zamalek en Ligue de basketball. L'équipe de natation de l'Ali remporte le championnat national en eau libre. Le club Al Ahly est au sommet des clubs les plus couronnés du monde au XXIe siècle avec 44 trophées, qu'ils soient locaux ou continentaux. Après avoir réussi à arracher 7 titres de la Ligue des champions africaine en plus de 13 titres de champion, en Supercoupe locale, 6 coupes égyptiennes, 6 Supercoupes de la CAF et une coupe de la Confédération, après avoir dépassé le Bayern Munich, deuxième du classement avec 42 titres. Le président de l'Ali, Mahmoud El Khatib, a ouvert la saison des triples dans un long entretien avec Yacoub Essadi sur Al Ahly TV et a déclaré que le soutien de nos fans et l'engagement de l'équipe sont le secret de la victoire du club du 9e titre de la Ligue des champions de la CAF. Il a déclaré « De plus, le soutien de nos fans a été énorme et a donné confiance à nos joueurs. » Parallèlement à cela, l'équipe voulait vraiment remporter le titre de la Ligue des champions de la CAF après avoir perdu le titre en 2017 et 2018. Bibo a également évoqué les difficultés auxquelles le club a été confronté lors de la dernière saison, notamment lors du tournoi de la Ligue des champions de la CAF. « Nous avons fait face à de nombreuses difficultés qui se sont développées encore plus par les personnes qui les ont provoquées. » Il a ajouté « Nous avons traité ces difficultés avec une grande sagesse, car Al Ahly ne répond pas à ces problèmes mineurs. » La nouvelle saison commence demain au stade Al Ahly Oui Salam à 20h, lorsque les vainqueurs de la Ligue affronteront Misr Al Makassar lors du premier match du championnat national. L'entraîneur Pete Mosimane a nommé l'équipe sans surprise alors que les nouvelles recrues sont en cours, alors que le défenseur marocain Badr Benon et notre défenseur international Ahmed Beckham sont prêts pour la première apparition au championnat avec l'équipe. Le trio Al Ahly, Junior Ajaïe, Houssen El Shaad et Marwan Mohsen ne seront pas disponibles pour l'affrontement Misr Al Makassar lors du match d'ouverture de la Première Ligue égyptienne 2020-2021 en raison de blessures. Les trois joueurs de l'équipe première de l'Ali Walid Suleiman, Aliou Dieng et Ahmed Yasser Rayan ont participé aux entraînements collectifs sur El Tetch après avoir récupéré de Covid-19. Technicien le plus titré cette année en club avec 5 titres, dont celui de champion d'Afrique, le coach sud-africain de l'Ali a accepté de se dévoiler un peu pour France Football. Cela m'a pris une journée et c'est long. J'avais envie de vivre cela. Quand vous entraînez dans un pays, dans un club aussi longtemps, j'avais accompli 8 ans au Sundowns, vous n'avez pas envie de recycler indéfiniment. Surtout quand il y a une telle opportunité ailleurs. 8 ans, c'était assez pour prouver que je suis loyal, non? J'ai le respect de mes supporters et du club. Mais j'avais envie de faire quelque chose pour moi. Oui, le moment était parfait, puisque venait de réussir ce triplé avec Sundowns sur la scène nationale à l'issue de la saison 2019-2020. Et puis, nous étions éliminés de la Ligue des champions d'Afrique en quart. Saïd Abdelhafiz, directeur du football à Al Ahly, a contacté Nabil Meki, l'ambassadeur d'Égypte au Niger, pour bien coordonner avec lui en vue du déplacement de l'équipe dans les prochains jours. Pour rencontrer le champion nigérien Aced Sony Depp dans le cadre du 32e tour de la Ligue des champions de la CAF. Le match aller doit avoir lieu le 22 ou 23 décembre courant au Niger. Notre match de Supercoupe de la CAF contre le club marocain RS Barkhane devrait se jouer en 2021 au Qatar.
comme le comité exécutif de la CAF l'a décidé lors de sa dernière réunion. Bien que la CAF ait précédemment déclaré que le match de la Supercoupe se jouerait en Égypte. Omar Tarek, joueur de l'équipe première de basketball du club Al Ahly, a confirmé que l'équipe se préparait pour bien affronter Zamalek dans le cadre des compétitions de Ligue Liée. Notons qu'il aimerait participer au premier derby contre Zamalek après avoir rejoint Al Ahly au début de cette saison. Omar a confirmé que tous les joueurs et le staff des entraîneurs feront tout leur possible pour rendre les fans heureux en remportant tous les titres qui a marqué le triple historique. Il a confirmé que l'équipe première de basketball du club Al Ahly se prépare pour bien affronter Zamalek le 17 décembre. L'équipe de natation de l'Ali a réussi de remporter le championnat national de libre, qui s'est tenu à Sharm el-Sheikh du 26 au 30 novembre. L'équipe première féminine de natation Al Ahly de 19 ans, l'équipe masculine de 18 ans et l'équipe masculine et féminine de 16 ans ont réussi à s'assurer la première place. Myriam était avec vous. À bientôt la semaine prochaine au stade Al Ahly. Oui, El Salam.